Et sans plus attendre, la suite de votre feuilleton. Cette fois-ci, le niveau de la vache folle. Un vacheux... Ouh, pardon, j'ai loqué. Contre-temps. On va aller lui piquer sa vache. Ah, il y a eu un accident. Pauvre petite bête. Hi, Stex. Stex, Stex. En 60 secondes par minute. Alors, ok, il y a des trucs cachés par ici. Donc l'objectif de ce genre de niveau, ce sont des courses poursuites en gros. Donc il faut réussir à garder un œil sur le... Enfin, rester suffisamment proche du coup du véhicule en question. Ça, en principe, je peux les péter également. Trouve 5 bouts de tuyaux et aide le lapin souffleur. De la peinture. Désolé mademoiselle, mais j'ai besoin de votre petite culotte. Alors attendez. J'ai raté. Ok, on a tout à 100%. On explose ces trucs également. Voilà. Encore. Voilà. Je sais pas si ça donne quelque chose les feuilles, mais je crois pas du coup. J'ai pas l'impression. Non, pas ici. Il y avait des trucs rouges, c'était dangereux. Oh merde! Désolé mon frère, mais ton cul est à moi désormais. Est-ce qu'on peut casser les statues ou pas? Ouais, on peut. Ça aurait été surprenant de ne pas pouvoir le faire. C'est un peu chiant parce qu'à chaque fois elles sont assez éloignées les uns des autres. Ah, on voit la poubelle bleue là ici, c'était l'objet que j'avais raté au premier niveau là celui-là. C'est pour ça que j'avais pas eu un 100%. Attendez, ok. Mais je suis dessus! Mais donnez-moi! Ok, bon c'est bon, on a tout. La SPA, mais je ne suis pas un animal sauvage, bordel, je ne suis qu'un lapin. Je veux retourner dans la civilisation! Rendez-moi mon chien! Non, ton chien est à moi désormais, je vais l'appeler Billy. Mais je ne vous permets pas! Mais je n'ai pas besoin de ta permission! Oh, donne-moi ton cul! Vous êtes pas gêné. Alors, du coup, on va aller ici. Et on fait le trampoline. Ah oui, ceux-là, ils sont protégés par des... Il faut leur dasher dessus avec le dash, comme ça, là. Est-ce que c'est soi-disant des chiens avec un casque? Va comprendre. Ok, on est bon, on a tout. Bon, là, il va me dire de dasher dessus. Ah, ok, donc là, il y aurait besoin de faire un dash ici avec l'escalier. Ok, pile poil, mais ça passe. Ah, une sorte de petite zone de yoga ici. Ok, on a tout par ici. Enfin, c'est plutôt un dojo plus qu'une zone de yoga. Allez, hop, ça dégage. Et bam! On a tous les tuyaux déjà? Putain, c'était rapide. Let's go! Dum didoudi dum, ba 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 ba. Ah merde, c'est ici. Ok, donc on n'oublie pas de récupérer du coup cette poubelle. Ah, en dashant dessus, du coup, je récupère tout d'un coup. Trop cool.
Là, ça me fait glisser, j'imagine, si je vais là-dessus, là. Ouais, c'est ça. Bon, moi, je prends pas de dégâts, c'est tout ce qui compte. Donc là, c'est le mec qu'on va devoir pourchasser, celui-là. Donc là, on met tous nos trucs, point de sauvegarde, bam. Allez, trois cadeaux, et on est parti. Donc là, ce qui est très dur, c'est qu'il faut faire la course-poursuite, mais il faut également récupérer, du coup, les objets. Donc faut pas se rater, quoi. Si jamais tu t'es pas assez rapide, bah t'es pas assez rapide, quoi. C'est pour ça qu'il faut faire des tâches sur ces personnes-là pour récupérer, du coup, leurs objets. Sinon, t'as pas le temps. Hop, deux secondes. Hop, on est reparti. My bad. J'ai éternué mes grands morts. Alors, des petits slides de droite à gauche, bam, bam, bam. Donc là, on voit en haut à droite la barre de couleur qui indique notre position par rapport au camion. Donc pour l'instant, on est très très bien. Je vous ai rien fait, moi, une fouille. J'étais un peu à gauche, mais ça va, ça passe. Donc là, on peut faire comme ça, du coup, pour gagner un peu de temps. Merde, je me suis chié dessus. Ah, fais chier, fais chier, fais chier, fais chier. Yo, vite. Ok, hop, on peut les taper du coup ces trucs là pour gagner un petit peu de temps. Voilà. Alors j'ai cru que ça allait être fini mais pas du tout. Nos hamburgers. On est au Canada en fait ici. On est au Canada en fait, les hamburgers. Let's go! La peau vache. Oh, il m'en manquait 4. Ok. Je me demande bien où est-ce qu'ils étaient. À la toute fin, là, il y avait une zone où j'avais hésité de revenir en arrière, mais peut-être que c'était pas ça. Hein. Donc là, la course poursuite, vous avez remarqué, elle était relativement facile. Moi, je me rappelle qu'elle avait une un peu plus loin dans le jeu. Elle était ultra dure. Et vraiment, c'est très très dur de rester dans les bons clous au niveau du timing. Et écoutez, épisode par épisode, ça fait assez court. On note que je mettrai des journées où j'en mettrai deux d'un coup, parce que ça va faire un peu court quand même. Deux épisodes de 10 minutes. Mais voilà, on va s'arrêter là du coup, et puis on se reverra du coup dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, vu les jeux vidéo, et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Et on vient d'arriver aux 7000 mètres. Incroyable. Allez, zou.